passé une bonne semaine. That you had a great week. Je vous avoue que moi, ma semaine était assez compliquée. I have to say, my week was a bit complicated. Merci d'avoir demandé. Thank you for asking. Non, la semaine a été compliquée parce que j'ai jamais eu autant de difficultés à mettre en place un message. The week was a bit complicated because I've never actually had such a hard time preparing a message before. Ce message a vraiment été un grand défi pour moi de le rédiger. This message was really a challenge for me to draft. Mais je reviendrai dessus un petit peu plus tard. But I'll come back to that in a few minutes. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on est un peu dans une saison où ça, il y a comme un flottement. I don't know if you've noticed, but we're in a season where it seems like we're sort of in a transition period. Rien n'est vraiment clair. Nothing's very clear. On a des informations, après c'est d'autres informations. We have some information, then other information. Par exemple, est-ce qu'on doit se vacciner, est-ce qu'on doit pas se vacciner? Do we need to get the vaccination? Do we not? La grande question. Big question. Dans nos vies personnelles, quelles sont les décisions que je dois prendre? In our personal lives, what decisions do we need to make? Même à l'église, si vous avez constaté, on a eu plein de formats différents. Even at church, you might have noticed we've had different formats for the church service. Pour tout faire pour que les membres de l'église puissent avoir un culte qualitatif. So that we could do everything we could for the members to have a quality service. Mais en tant qu'humain, on a besoin d'avoir un cadre, quelque chose de carré où on se sent en sécurité. But as humans, we need some sort of structure where we can feel secure. Et là, personnellement, je trouve que c'est pas trop le cas. And personally, I find right now it's not really the case. Et c'est pour ça que ça a été très compliqué pour moi de mettre en place ce message. And that's why it was so hard for me to put this message together. Parce que j'essayais de trouver la réponse à cette question. Because I was trying to find the answer to this question. Et la réponse, c'est qu'on doit être un peuple de sa présence. And the answer is that we need to be a people of his presence. Et je crois vraiment que c'est le message du cœur de Dieu pour aujourd'hui. I really believe that's the message that's in the heart of God for today. Non seulement par la louange que l'équipe nous a donnée. Not only by the worship that the team brought to us this morning. Mais aussi par la parole qui nous a été donnée. But also the word that was shared. Avant d'aller plus loin, je vous propose que l'on prie. Before going any further, I suggest we pray. Alléluia, Seigneur, je veux vraiment te remettre cet instant entre tes mains. Father God, I really want to commit this time into your hands. Merci, Seigneur, pour qui tu es. Thank you, Lord, for who you are. Merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Thank you for all your good deeds. Merci, Seigneur, parce que tu ouvres maintenant nos yeux, nos oreilles. Thank you, Lord, because you open now our ears and our hearts. Tu ouvres notre cœur, Seigneur. You open our eyes as well. Et que ta parole pénètre au plus profond de notre être. And that your word may penetrate into the deepest part of our souls. Pour faire toute la différence. In order to make all the difference. Dans ce monde, Papa. In this world. Dans le nom puissant de Jésus, je prie. In the powerful name of Jesus, I pray. Amen. Amen. Donc le titre de mon message c'est un peuple de sa présence. The title of my message today is a people of his presence. Et qu'est-ce qui peut nous empêcher d'être dans la présence de Dieu? What can hinder us from being in the presence of God? On va pas mettre le blâme sur Netflix, YouTube, Ulule. Il faut que j'en cite encore un, Dailymotion, Vimeo. We won't put the blame on any of those live stream websites. Voilà, c'est quand même nous qui avons la souris ou la télécommande pour faire play. We are the ones that have the computer mouse or the remote control in our hands to push play, right? Mais il y a autre chose qui est une véritable distraction. But there is something else as well that can be a real distraction. Il y a nos loisirs. There may be leisure. Il y a notre emploi du temps. But also our schedule. Notre travail. Our work. Notre vie de famille. Our family life even. Et bien souvent, c'est les domaines où on excelle, où on s'éloigne le plus de Dieu. And oftentimes, it's even the areas where we excel that we are the furthest away from God. Par exemple, je travaille dans l'audiovisuel. For example, I work in media. Et avant, j'allais faire des tournages et en fonction du client, je remettais le tournage entre les mains de Dieu ou pas. And I sometimes have video making to do, and sometimes I really commit that to the Lord. Si le client était, voilà, c'est quelqu'un de difficile à gérer. Depending on the client, if the client is a bit tough to handle. Mais là, je vais vraiment remettre le tournage entre les mains de Dieu, que tout se passe bien, que le client soit facile à gérer. I'll really put the project into the hands of God, that really the client would be easy to manage and that everything would go well. Et en revanche, quand j'ai un client qui est
qui dit amen à tout ce que je dis. But sometimes when I have a client that pretty much says amen to everything I say. Bah, je prenais pas le temps de prier et remettre le tournage entre les mains de Dieu. I didn't used to take the time to commit that project into the hands of God. Tout simplement parce que je savais que je gérais. Just because I knew that I managed. Je savais que j'avais les compétences nécessaires pour mener à bien ma mission. I knew that I had the competencies necessary to accomplish the mission that was given to me. Et je suis sûr que chacun d'entre nous on a déjà fait ça dans un domaine de notre vie. And I'm sure that we've all done that before as well in some area of our lives. Alors qu'est-ce qui fait que on vient toujours à Dieu au moment où on a besoin de lui? So why is it that we always go to God in the moments that we actually need him the most? Pourquoi quand tout va bien on passe pas de temps avec le Seigneur ou moins de temps avec le Seigneur? Why is it when everything goes well that we don't spend any time or not much time with God? Tout est une question de choix en fait. Everything is a question of choice really. Et être un peuple de sa présence, c'est une question de choix. And being a people of his presence, that's a question of a choice. En fonction du degré de présence qu'on a avec le Seigneur, according to the degree of the presence of God that we have in our lives, nos choix auront un impact plus ou moins à long terme. Our choices will have either a short-term impact or a long-term impact. Si je fais un choix, je peux faire des choix sans consulter le Seigneur. I can make choices without consulting God. On a cette capacité. We have that ability. Mais si je prends le temps de consulter le Seigneur, but if I take the time to consult the Lord, alors je peux avoir cette conviction. Then I can have that conviction que la décision que j'aurai prise elle aura un impact sur le long terme. That the decision I'll make will have a long-term impact. Que la décision que j'ai prise portera du fruit. That the decision I've made will bear fruit. Et que la décision que j'ai prise pourra même être un héritage pour la génération d'après. And that the decision I've made will even be an inheritance for the future generation. Dans Jean 14, 23, in John 14, 23, Jean 14, 23 est écrit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. So that was John 14, 23. Please follow along in your English Bibles. Le mot gardera dans ce verset-là, the word to keep in this verse, c'est tereo, is the word tereo, qui veut dire observer, garder, préserver, which means to observe, to keep, to preserve, réserver, conserver, to reserve, to conserve, pratiquer, se maintenir, to practice, to maintain. L'observation les garde. Observation or keeping. Et nous, ce qu'on va garder là, c'est cette notion de pratiquer et se maintenir. And the definitions that we will keep for our message today is to practice and to maintain. Et je vais relire le verset. I'll read the verse again. Mais à la place, je vais mettre le mot pratiquer. And I'll use the word to practice. Si quelqu'un m'aime, il pratiquera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. So that means if someone loves me, he will practice my word. Le fait de garder la parole de Dieu, the fact of keeping the word of God, c'est pas quelque chose de mignon. It's not just a cute thing we say. C'est pas oh Jésus est dans mon cœur. It's not just oh Jesus is in my heart. Non, il y a vraiment une action qui nous est demandée. No, there's really an action that is required of us. Parce que je vous rappelle que le mot garder c'est tereo qui veut aussi dire pratiquer. Because the word to keep is also tereo, which also means to practice. Donc si on pratique la parole de Dieu, so if we practice the word of God, alors le Seigneur fera de notre demeure son chez-lui. Then God will make our dwelling place his own. Et ce verset-là me fait penser au verset qui dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. And that verse makes me think of the verse that says our body is the temple of the Holy Spirit. Donc pour être un peuple de sa présence, nous devons poursuivre la présence de Dieu. So to be a people of his presence, we need to pursue the presence of God. On doit poursuivre la présence de Dieu à tout prix, quel qu'en soit le prix. To pursue the presence of God no matter the cost. On doit poursuivre la présence on doit tomber amoureux de la présence de Dieu. We need to really fall in love with the presence of God. Et après est prêt à demeurer dans celle-ci. And be ready to dwell in it. La question que j'ai envie de poser, c'est comment est-ce que l'on gère notre soif de la présence de Dieu? The question I want to ask you today is how do we manage the thirst that we have for the Lord? Est-ce que Dieu a vraiment la première place dans ma vie? Does God really have the first place in my life? Est-ce que Dieu est vraiment ma première priorité? Is God really my first priority?
Il y a une phrase que j'aime bien. There's a sentence that I like. Qu'il faut que je retrouve. That I need to find my notes. C'est que alors je vais le faire de mémoire, la présence de Dieu dépend de la position que tu lui donnes dans ta vie. The presence of God in your life depends on the position that you give God in your life. Tout est une question de priorité. It's all a question of priority, really. Et on a quelqu'un qui avait bien compris ça dans la Bible. And there was a person that really understood that well in the Bible. Moïse, il a vraiment bien compris l'importance de la parole de Dieu. Moses really understood the importance of the presence of God. Il a vraiment compris l'impact qu'il aura en plus avec la présence de Dieu. He understood the impact he could have more so with the presence of God. Dans Exode 33:15. In Exodus chapter 33 verse 15. Exode 33:15, si tu n'y vas pas toi-même, donc c'est Moïse qui parle à l'Éternel, si tu n'y vas pas toi-même, ne nous fais pas monter d'ici. Moïse, il avait compris que ça ne servait à rien de commencer quelque chose si Dieu n'était pas là-bas. Moses understood that there was no sense in starting something if God was not in it. Et combien de fois nous on fait ça dans notre vie? How many times do we do that in our lives? C'est vraiment une question qui me confronte. It's really a question that confronts me. Parce que je sais que ce n'est pas quelque chose d'acquis aujourd'hui dans ma vie. Because I know it's not something that I really master in my life today. Et j'ai ce profond désir de mettre Dieu toujours à la première place. And I really have the profound desire to put God in the first place of my life. Pourquoi? Parce que Dieu, il est la source de vie. Why? Because God is the source of all life. Vous pouvez trouver ça dans Psaume 36, verset 9. It says so in Psalm chapter 36, verse 9. Parce que le Seigneur, il a des projets de bonheur et non de malheur. Because God has only good projects for us and none of et tout simplement, bad projects. Et tout simplement parce que Dieu nous aime. And simply because God loves us. Pour pouvoir être un peuple de sa présence, to be a people of his presence, il faut déjà qu'on cultive sa présence dans nos propres vies. We have to start by cultivating his presence in our own lives. On ne peut pas s'attendre à venir ici le dimanche matin. We can't expect coming here on a Sunday morning. Et puis se dire, mon frère, ma soeur a fait le taf, donc c'est bon, je vais être dans la présence de Dieu. And think, well, my brother or sister has already done the work, I'll be able to enter in the presence of God fine. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. No, it doesn't work that way. Vous allez pouvoir ressentir des guilis-guilis. You'll be able to feel guilis-guilis. Tickles, spiritual tickles. Mais il faut savoir qu'il y a un prix à payer pour pouvoir être dans la présence de Dieu. But you have to understand there is a price to pay to be in the presence of God. La présence de Dieu, elle est gratuite. The presence of God is free. Mais si t'en veux plus, il y a un prix à payer. But if you want more of it, there's a price to pay. Et c'est pour ça que j'ai eu énormément de difficultés à réaliser ce message. And that's why I had such a hard time preparing my message for today. Parce que le Seigneur m'avait déjà mis à cœur que j'allais parler du prix à payer. Because God had already shared with me that I was supposed to share on the price to pay. Mais j'avais pas payé le prix pour pouvoir diffuser ce message. But I hadn't paid the price to deliver this message. Et vous pouvez demander à Rihanna l'état dans lequel j'étais pendant ces 3 jours de préparation. And you can ask Rihanna what state I was in when I was preparing my message this week. Je devenais vraiment chef. Je tournais dans la maison, j'écrivais, j'effaçais. I was going crazy. I was walking all around the house, writing some things and then erasing everything. Les notes que j'avais, c'était pas structuré. The notes I had were not structured in any way. Ça allait dans tous les sens. It was going all over the place. Et je disais, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi mon problème? And I was thinking, God, what's the matter? What's wrong with me? Est-ce que tu es en train de me punir? Are you punishing me for something? Vraiment, c'était une expérience hyper compliquée. It was a really tough experience. Et plus j'ai commencé à rentrer dans sa présence. And the more I got into his presence. Dans cette mentalité de conquérant. And into the mentality of a conqueror. Plus je comprenais le dessein de Dieu en fait. More I understood the plan of God. Et je suis passé par la repentance. And I went through repentance. J'ai dit en fait Seigneur, je peux pas aller plus loin dans ce message-là, si moi-même je vis pas ce que tu veux que je partage. And I told the Lord, okay, God, I can't go any further in this message if I don't myself experience what I'm going to preach on Sunday. Donc je prétends en rien
que c'est quelque chose d'acquis, c'est quelque chose de tout nouveau pour moi. I'm not saying this is something I master, it's really something new to me. Et vous savez, il y a, comme je vous disais, il y a plusieurs choses qui peuvent nous distraire, mais il y a aussi des bonnes choses qui peuvent nous distraire. You know, I was saying that there are many things that can distract us, but even good things can distract us. T'as traduit trop vite, j'ai pas eu le temps. Ah bon. Many things can distract us. Comme vous savez, on a une petite fille maintenant qui va bientôt avoir un an. As you know, we have a little girl that is soon going to be 1 year old. Et Elina, c'est vraiment la plus belle chose qui nous soit arrivée. And Elina is really the greatest joy that could ever happen to us. C'est vraiment la joie de sa maman et de son papa. She's really the joy of her mother and father. Et avant d'avoir Elina, avec Rihanna, on se réveillait vers 7h30, 8h. And before having Elina, Rihanna and I used to wake up around 7:30 or 8. Et maintenant qu'on a Elina, on se réveille vers 7h30, 8h. And now that we have Elina, we wake up around 7:30 or 8. C'est plutôt cool, non? Pretty good, right? On est béni. We're blessed. Franchement, ça n'a pas changé grand-chose. It hasn't changed much, really. So. Mais en fait, ça a totalement bouleversé nos journées. But actually, it has really completely changed our daily life. Parce qu'avant d'avoir Elina, on se réveillait donc comme je vous ai dit à 7h30, 8h et on commençait notre journée. Because before we had Elina, we would wake up around 7:30, 8, as I said, and we'd start our day. Donc ça dépendait des jours, soit on commençait par notre temps personnel avec le Seigneur. So it depended on the day, either we started with our personal time with God. Ou alors on prenait notre petit déjeuner ensemble et on passait un temps avec le Seigneur commun. Or breakfast together with a time with the Lord together. Et maintenant qu'il y a Elina. But now that Elina's here. Le temps personnel avec le Seigneur. The personal time we have with God. Il est devenu difficile à placer dans la journée. Has become more difficult to place in the daily routine. Et ça a pris beaucoup de temps pour qu'on puisse réaliser que Elina avait chamboulé notre emploi du temps. And it took us a while to actually realize how much Elina had completely changed our daily routine. On a vu qu'il fallait agencer notre emploi du temps pour le travail, etc. We saw that we had to adapt our schedule for work and everything. On n'a pas tout de suite pensé à notre temps personnel avec le Seigneur. But we didn't realize at the beginning what it meant for our personal time with God. Et à un moment donné, avec Rihanna, on a eu comme un ras-de-bol où on était essoufflé. And at some point, Rihanna and I had a time where we were just sort of fed up or weary from that season. Il nous manquait quelque chose. We were missing something. Et c'était la présence de Dieu. And it was the presence of God. Donc c'est bien, on a réalisé qu'il nous manquait la présence de Dieu, donc on a essayé d'agencer nos agendas. So it was good, we realized what we were missing and we tried to adapt our schedule. C'était un peu mieux. It was a little bit better. Mais c'était pas encore ce qu'on voulait. But it wasn't exactly what we wanted. C'était pas suffisant. It wasn't enough, we wanted more. Et ça arrivait encore que ce temps était squeezé. And it happened from time to time that time with the Lord was put aside. Parce qu'il y avait une couche de dernière minute à changer. Because there was a last minute diaper to change. Et du coup, j'ai décidé d'avoir un échange avec mon père parce que je sentais que ça devenait vital pour mon foyer et que certes, on était là le dimanche et on était dans la présence de Dieu, on faisait des choses pour le royaume, mais dans nos vies personnelles, excuse-moi. So I needed to talk with my dad because it came to a point where we were going to church and spending time with God there and we were doing a lot of things for the kingdom, but in our daily lives, il manquait quelque chose. There was something missing. Et donc j'en parle avec mon père. So I talked to my dad about it. Et mon père m'a dit, tu comprends maintenant pourquoi je me réveillais aussitôt quand vous étiez petit avec tes sœurs. He and his response was, now you understand why I got up so early when you and your sisters were small. Et là mon père m'a dit un truc qui m'a vraiment bouleversé et je crois vraiment que c'est le Seigneur qui a parlé à travers lui. And then my dad told me something that really overwhelmed me and I believe that God spoke through him. Quand on veut payer un prix, il y a forcément quelque chose à sacrifier. He said when there's a price, when we want to pay a price, there's something we need to sacrifice. En l'occurrence, dans cette situation, c'était le sommeil. And in the situation, it was sleep. Donc du coup, depuis peu de temps avec Rihanna, on a décidé de mettre nos réveils une heure plus tôt. So recently, Rihanna and I decided to put our alarm clocks 1 hour earlier.
Et aujourd'hui, on peut passer ces temps de qualité avec le Seigneur. And today we can spend that quality time with the Lord. Parce qu'on est debout avant que la petite se réveille. Because we're up before our girl is awake. Et même l'atmosphère dans la maison est différente. And even the atmosphere in our house is different. Il n'y a plus de stress de « Elina, arrête de crier !» There's no more stress of « Oh, Elina, stop crying !» C'est plutôt « Oh, elle s'exprime !» Now it's more like « Oh, she's expressing herself !» How wonderful Non, plus sérieusement, si vous voulez qu'on soit un peuple de sa présence, No, but seriously though, if we want to be a people of his presence, nous avons un prix à payer. We have a price to pay. Et si on veut payer ce prix, and if we want to pay that price, nous devons sacrifier quelque chose. There are things we need to sacrifice. Il y a forcément quelque chose à sacrifier. There's always something to sacrifice. Et je crois vraiment que dans les temps dans lesquels on vit aujourd'hui, and I really believe that in the times we're living in today, le Seigneur, il attend son peuple au tournant. God is really expecting something from his people. Je ne sais pas si vous voyez toutes les décisions qui sont prises par notre gouvernement. I don't know if you see all the decisions that are being made by the government in, recently. Mais je ne sais pas encore combien de temps on va pouvoir se réunir dans cette salle. I honestly don't know how much time we'll have left with the right to actually unite in this place. En prêchant librement la parole de Dieu. Preaching freely the word of God. Sans que celle-ci soit limitée. Without being limited by what the government says. Et mon rêve, c'est vraiment qu'on puisse être une église de sa présence. My dream is for us to be a church of his presence. Non seulement pour le bon berger. Not just for the bon berger church. Mais pour l'épouse. But as the bride of Christ. Et si le Seigneur t'a mis dans cette saison. And if God put you in the season. C'est que t'es totalement qualifié pour cette saison. It's because you are completely qualified for the season. Sinon, il aurait pu s'arranger pour que tu naisses à une autre époque. If not, he would have made it so that you were born in a different century, for example. Si le Seigneur t'a placé dans cette saison, if God placed you in this season, c'est que t'as une place et une mission pour cette saison. It's because you have a place and you have a mission in this season. Vous savez, il y a quelque temps, avec les pasteurs, ont annoncé officiellement que Rihanna et moi étions pasteurs stagiaires. You know, a few months ago, the pastors officially announced that Rihanna and I were intern pastors. Parce qu'un jour, on dirigera l'église du Bon Berger. Because one day, we'll take leadership in the Bon Berger Church. C'est une responsabilité énorme. It's a huge responsibility. Et c'est aussi un super bel héritage que nos parents nous lèguent. And it's an incredible inheritance that our parents have given us. Mais ça, c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir faire tout seul. But that's not something we can do on our own. On a besoin de vous. We need you. On a besoin que vous soyez prêts à payer le prix. We need for you to be ready to pay the price. Pour qu'on puisse amener l'église du Bon Berger encore plus loin que nos aînés ne l'ont fait. So that we can bring this church much further than our elders have been able to. Et il ne faut pas se préparer dans quelques années, il faut qu'on commence maintenant. And it's not in a couple years that we'll have to prepare, it's right now. Si on veut que l'église du Bon Berger ait un impact dans cette nation, if we want the Church of Bon Berger to have an impact in this nation, nous devons nous préparer maintenant. We have to prepare right now. Parce que l'ennemi n'attend pas pour passer ses lois. Because the enemy isn't waiting to pass all these types of laws. Je croyais que t'avais pas fini. Désolé, j'ai perdu le fil. Ça va revenir. On a aussi cette responsabilité, c'est revenu. On a aussi cette responsabilité. We have that responsibility. De préparer le terrain pour la future génération. To prepare the way for the future generation. Il ne faut pas qu'on se dise Jésus revient bientôt, donc c'est bon, il n'y a plus grand-chose à faire. We can't say, oh well, Jesus is coming back soon, so we don't have that much to do. Non, il faut que chaque génération se dise que Jésus revient bientôt, mais on ne sait pas quand. No, every generation must say to themselves,
Okay, Jesus is coming back, but we don't know when. Alors on doit déjà commencer à préparer le terrain pour la future génération. So we have to start preparing the way for the future generation. Donc actuellement, on est dans un temps de transition au Bon Berger. Right now, we're in a transition period in the Bon Berger Church. Et alors que nos aînés sont en train de léguer cet héritage petit à petit. And as the elders are making way for this inheritance little by little. On doit déjà se responsabiliser pour pouvoir déjà anticiper qu'est-ce qu'on va léguer à la future génération. We have to take responsibility to know what we are going to leave as an inheritance for the future generation. Et si la prochaine génération voit ce que nous on est en train d'opérer et que eux se disent ah mais qu'est-ce que je veux léguer derrière? And if the future generation sees that we're starting to think that way. Alors ça deviendra une culture. Then it will become a culture. Yeah. Et l'ennemi aura toujours un coup de retard. And the enemy will always be one step behind us. Pourquoi? Parce qu'on aura un coup d'avance sur lui. Why? Because we'll always have one step ahead. Donc je veux vraiment vous dire que le Seigneur attend à ce qu'on ne soit pas des chauffeurs de chaises. So all that to say, God is expecting that for us to not just be simple participants, seat warmers. Spectators. Et c'est vraiment avec beaucoup d'humilité que je vous dis ça. And it's really with a lot of humility that I say this to you today. Mais il est temps qu'on prenne une décision. But it's really time for us to make a decision. Il est temps qu'on décide d'être un peuple de sa présence. It's really time for us to decide to be a people of his presence. Il est temps qu'on décide de payer le prix. It's time for us to decide to pay the price. Pour faire une différence dans ce monde. To make a difference in this world. Mais comme je disais tout à l'heure, avant de pouvoir faire la différence avant de pouvoir être un peuple de sa présence. But as I was saying earlier, before being a people of his presence, il faut déjà que la présence de Dieu soit dans nos foyers personnels. The presence of God must be already in our own homes, our individual homes. Une image qu'on nous a donnée une fois que j'ai beaucoup aimé. One image that was given to us once that I really liked. C'est que j'étais un peu comme une cheminée. That it was that I was a bit like a chimney. Et Rihanna, c'est le feu de cette cheminée. And Rihanna was sort of the fire in that chimney. Et si la cheminée est trop petite, and if the chimney is too small, alors le feu s'étouffe et s'éteint. Then the fire will be too small and will suffocate and die out. Mais si la cheminée s'élargit, but if the chimney is too big, alors le feu peut librement prendre de l'oxygène et se mouvoir. If it's big enough, then the fire can take all the room it needs and have oxygen and live. Autre situation, si la cheminée est trop petite. Another situation, if the chimney is too small. Et que le feu, il est rebelle. And if the fire is rebellious. Il peut tout simplement brûler la cheminée. It can tear the chimney apart. Et frères, je veux m'adresser à vous. And brothers, I want to speak to you. Que vous soyez mariés ou célibataires. Whether you be married or single. Au début de mon mariage, au début de ma relation avec Rihanna, Pasteur Robert me parlait d'être un leader spirituel. At the beginning of my relationship with Rihanna, Pastor Robert would talk to me about being a spiritual leader for Rihanna. Je ne comprenais pas trop le sens d'être un leader spirituel. I didn't really understand the meaning of that. Dans ma tête, c'était je suis le chef et voilà. In my mind, I was like, okay, well, I'm just the head and that's it. I'm the boss. Mais non, c'est plus que ça. But no, it's more than that. C'est plus que ça. Le temps que nous allons investir en tant qu'homme. The time that we're going to invest as a man va avoir un véritable impact dans nos foyers. Will have a real impact in our households. C'est un peu comme si que on a la cheminée et il y a le conduit de, je sais pas comment on appelle ça, le conduit de la cheminée. L'âtre. J'ai pas entendu. L'âtre. L'âtre. Ok, donc on a l'âtre. So it's in. So what's that in English? The high part of the chimney that brings the smoke out there, the column or whatever. Et en fait, on couvrait en fait l'âtre. So we can cover that. Si on le couvre, il n'y a plus d'oxygène en fait. If we cover what is meant to bring the smoke out, donc then, du coup, c'était quoi l'intérêt? Si on le couvre, il n'y a plus d'oxygène. There won't be any more oxygen. Donc du coup, il y a le feu s'éteint. So the fire dies out. Parce qu'il n'est plus oxygéné. Because it doesn't have any oxygen. Et ben, je vois un peu ce parallèle là dans nos vies, les gars.
I sort of see that parallel in our lives, brothers. Si en tant qu'homme, on n'est pas ces leaders spirituels. If as men, we're not those spiritual leaders. Si en tant qu'homme, on laisse toujours les femmes devant. If as spiritual as men, we always leave the women in front. Si en tant qu'homme, on n'est même pas prêt à payer le prix. If as men, we're not even ready to pay the price. Alors soit la fumée va brûler. Then either le feu va brûler. The fire will burn. La cheminée. Burn the chimney down. Ou soit le feu ne sera pas oxygéné, alors il va s'éteindre. Or the fire won't have any oxygen and it will die out. Et je crois vraiment que nous en tant qu'hommes, on a un véritable rôle à jouer pour accueillir la présence de Dieu. We really believe that as men we have a responsibility in welcoming the presence of God. Donc si vous êtes célibataire, if you're single, prenez l'habitude dès maintenant à cultiver la présence de Dieu. Start taking the habit now to cultivate the presence of God. Et si vous êtes marié, and if you're married, mettez le sommeil de côté, payez le prix pour votre foyer. Put your sleep aside and pay the price to cultivate the presence for your household. Et alors, à ce moment-là, and then, when that happens, quand nos foyers seront remplis de la présence de Dieu, when our households will be full of the presence of God, on pourra prétendre être un peuple de sa présence. We'll be able to achieve being a people of his presence. Une chose que j'aime beaucoup, c'est Psaume 119, 105. Something I really like is Psalm 119, verses 5? 105. 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Le mot lampe, c'est nir en hébreu. The word lamp in this verse is the word nir in Hebrew. Et vous savez ce que ça veut dire? What does lamp mean? Lampe. Oh, near means lamp. Okay. C'est fou, hein? It's crazy. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que l'origine du mot near. But the root word of the word near. C'est nour. Is the word nour. Qui veut dire feu. Which means fire. Ce qui veut dire que ta parole est une lampe à mes pieds. C'était pas une lampe LED qui éclaire tout. Which means that when this verse says, your word is as a lamp to my feet, it wasn't like an LED light that that shines light all around. Donc ça veut dire que si tu es en forêt et que tu es en train de marcher dans la forêt, when you're in a forest, walking, il faut t'imaginer avec une petite bougie, une petite lanterne. You have to imagine yourself with a little lantern, a little candle. Et que si tu n'avances pas, and if you don't make a move, tu ne peux pas voir où tu es. You can't really see ahead of you. Et cette parole-là, pour moi, prend tout son sens. And that really means a lot to me. Nous devons faire le pas. We have to make a step forward. Nous devons faire le choix d'être un peuple de sa présence. We have to make the decision to be a people of his presence. Et dans la parole de Dieu, il y a plusieurs symboliques pour le feu. And in the word of God, there are several meanings for the lamp, the fire of God, sorry. Il y a le jugement de Dieu. The fire of God in his word can mean judgment. Vous pouvez voir ça dans 1 Corinthiens 3. You can see that in 1 Corinthians chapter 3. Il y a la purification. There's purification. Vous pouvez voir ça dans 1 Pierre verset 6. Purification in 1 Peter chapter 6. Et il y a la présence de Dieu. And there's also the presence of God. Et ça, on le voit avec Moïse, le buisson ardent. And we see that with Moses and the burning bush. J'ai oublié de préciser, nour, c'est feu ou fumée. And I forgot to mention that nour can mean either fire or smoke. Et donc Moïse, il l'a vécu deux fois, dans le buisson, mais aussi sur le mont Sinaï. So Moses actually experienced that twice, with the burning bush, but also on Mount Sinai. Et on parle aussi des langues de feu pendant la Pentecôte. We also speak of the tongues of fire at Pentecost. Donc si on revient un petit peu au verset que je vous ai donné tout à l'heure, à Jean 14, 23. So if we look at the verse we talked about earlier, John 14, 23. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. On voit que la parole de Dieu, c'est une lampe à nos pieds. We see that the word of God is a lamp to our feet. On voit que la lampe, c'est un feu. We see that the lamp is a fire. Et on voit que le feu, c'est la présence de Dieu. And we see that fire means the presence of God. Ce qui veut dire qu'en cultivant sa présence, en cultivant sa parole, pardon, which means that when we cultivate his word, nous sommes dirigés par sa présence. We are guided by his presence. Mais en cultivant sa présence, but also when cultivating his presence, nous serons dirigés par sa parole. We'll be guided by his word.
quand on aura commencé à assimiler ça, le jour où on mettra ça en place, the day that we're going to start implementing that, où on aura compris l'importance de sa parole, we will have understood the importance of his word, l'importance de sa présence, the importance of his presence, alors on sera un peuple de sa présence. Then we'll be a people of his presence. Alors prendre des décisions, faire des choix, then making decisions and choices, ça sera simple. Will be simple. On n'aura plus peur de l'inconnu. We won't be afraid anymore of what we don't know. Est-ce que l'Église doit aller dans cette direction? Does the church have to go in this direction? Bah oui, sans problème. On a sa présence, on sait où on va. Yes, no problem. We have his presence. We know where we're going. On n'a pas besoin de penser aux conséquences. Non, on est dans le plan de Dieu. We don't have to think of what would happen next. No, we're in the plan of God. We know it. Et pour finir. And to finish. Ce qu'il nous faut, c'est que aujourd'hui, on prenne la décision de s'engager. What we need to do today is make the decision to commit ourselves. Qu'on prenne la décision de s'engager à méditer sa parole. Make the decision to commit ourselves to really cultivating his word. À être à la poursuite de sa présence. And pursuing his presence. Et vous savez ce qui est rigolo, c'est que le mot détermination. What's funny is that the word determination. Il se dit erek. Is the word erek. Il veut aussi dire prix. It also means price. Ce qui veut dire que dans la détermination, nous payons déjà un prix. Which means that being determined, we're paying a price. Donc c'est très facile. So it's very easy. Il suffit juste d'être déterminé. All we need to do is be determined. Je vous avoue que c'est mon plus grand défi. And I have to say that's my number one challenge. La détermination, la constance. Determination and being constant. C'est quelque chose de difficile. Is difficult. Mais si on le fait pour le Seigneur, par amour pour Dieu. But if we do it out of love for God. Rien ne peut nous arrêter. Then nothing can stop us. Soyons déterminés. Let's be determined. Comme Jésus il a été sur la croix pour nous. Like Jesus was when he died on the cross for us. Soyons déterminés. Let's be determined. Comme Jésus l'a été pour nous sur la croix. Like Jesus was when he died on the cross for us. Et si nous, enfants de Dieu, on paye le prix, if we as children of God, we pay the price, alors le monde connaîtra sa présence. Then the world will know his presence. Pour terminer ce temps-là, to finish this time, j'aimerais simplement vous inviter à prendre un temps de réflexion. I would like to invite you to take a time to reflect. Dans la présence de Dieu et à poser des actions concrètes. In the presence of God and really start putting things into place in your life. Déjà se remettre un petit peu en question. Start looking at your life and ask yourself questions. Faire un bilan rapide de là où vous vous trouvez aujourd'hui. Try to do a recap of where you are in your life. Et d'aujourd'hui prendre la décision. And today make the decision. Prendre la décision d'être quelqu'un qui ne sera plus un chauffeur de chaise. Make the decision to not just be a spectator anymore. Prendre la décision d'être une personne qui mettra toujours Dieu en priorité dans sa vie. But choose to always put God as the first priority of your life. Prendre la décision d'être amoureux de sa présence. Make the decision to really be in love with his presence. Non seulement pour vous, not only for yourself, mais aussi pour l'humanité. But for all of humanity.